19 juin 1940, les troupes allemandes occupent définitivement Benfeld. La population reste perplexe et est dans l'incertitude. Dès le mois de juillet, la volonté d'annexion de l'occupant se fait ressentir. La population doit s'aligner sur les ordonnances de l'administration du Reich, qui souhaite germaniser l'Alsace. S'adresse aux Benfeldois. Il dirait, les Français parlent aux Benfeldois. Mais non, triple idiot. Toute l'armée débarquerait à Benfeld. Je ne sais pas non plus exactement comment cela marche, mais ça marche. Il est l'heure. Allons plutôt à l'école, sinon notre Schulmeisterin nous donnera des coups de bâton. Ah,
As-tu ramassé des fleurs de pissenlit et des feuilles de fraisier sauvages pour faire les tisanes des soldats blessés des troupes d'occupation? Ben oui, mais j'ai pas mal mélangé d'autres herbes. Cela fait du volume. Also, was haben wir gestern gelernt? Wir haben das Gedicht die Lorelei gelernt, Frau Schulmeisterin. Gut. Und was sagt dieses Gedicht? Paul, an den Platz und hör auf, mit deinem Freund zu sprechen. Ja, Frau Schulmeisterin. Das Gedicht sagt, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass sie so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten. Das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkel. Und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt in Abendsonnenschein. Alors, qu'as-tu aujourd'hui? Des œufs et une poule. Ouais, combien la poule? Mais tu nous prends à la gorge, tes prix augmentent tous les jours. Je viens de Guggenheim jusqu'à Denfeld pour vendre mes produits. Si tu refuses de payer le prix, contente-toi des cartes de rationnement et tu pourras dessiner une cuisse de poule dans ta purée de patates. Ein Auto von der Wehrmacht vor der Schule. Meine Damen und Herren, notre Führer a toujours une longueur d'avance. Il a l'habitude de voir plus loin que le bout de son nez. Réaliser son futur Grand Reich. Notre Führer souhaite que l'ensemble des populations participent à l'effort de guerre engagé depuis quelques années. Nos troupes occupent déjà une très grande partie de l'Europe. Ils se battent actuellement en Afrique du Nord et dans les froides plaines de Russie. La quasi-totalité de nos hommes est au front. Il sera donc demandé aux femmes d'aller travailler dans les usines et aux jeunes filles d'aller travailler dans les fermes du Reicharbeitsdienst. Comment cela? Il y a quelque temps, vous avez incorporé de force nos garçons de votre armée. Et maintenant, vous venez prendre nos filles. Ouais. Les jeunes filles participeront ainsi à l'effort de guerre et soutiendront nos hommes qui se battent fièrement sur les champs de bataille. Comment? Fièrement? Mon Auguste m'écrit comme c'est difficile de vivre et se battre sur le front russe. L'eau gèle dans les gourdes. Au moins ton fils peut encore écrire. Mon neveu est mort à Minsk. Il est mort dans l'accomplissement de son devoir de soldat, fidèle au serment
qu'il avait prêté pour le Führer, le peuple et la patrie. Ils ont prêté serment malgré eux. Ils étaient bien obligés s'ils voulaient éviter que leur famille soit déportée. Jetzt Ruhe! Je fais l'appel des filles qui iront travailler pour le Reich Arbeitsdienst. Topfer Maria, présentez-vous devant moi. Clausius Volette, Wonder Justine, Jedorf Marcel. Achtung, eine Luftanmeldung. Vite, tout le monde dans les abris antiaériens de l'école et du Châtelet. Hé, ne va pas trop vite. Mais il faut s'abriter. Les bombardiers alliés viennent par ici. Ils ne vont certainement pas s'attaquer à notre école. Mais regarde plutôt ces jumelles. Elles pourraient nous servir quand nous allons en forêt et en plus nous allons faire notre premier acte de résistance. Un acte de résistance? Si on nous chope, c'est la déportation pour nous et nos familles. Impossible de nous choper. Tu fais le guet et moi je prends les jumelles. Allez. Pour la France. Yeah. Cochons d'Américains arrêteront bien un jour de faire les malins. Deux avions viennent de bombarder un train qui transporte du matériel de guerre à la sortie de Banfeld. Assez perdu de temps. Je continue l'appel. Schaeffer Anita. Reibel Nicole. Meyer Louise. Allons les filles, en avant, bientôt le travail vous attend. Voilà un qui verra les grands rêves du Reich que par le bout de son nez. Tout lui avec ses jumelles. Et nous verrons les alliés venir de noir. En espérant qu'ils viennent vite.